autant on peut avoir une représentation immédiate des années 70, 80, 90. Ça évoque tout de suite des images absolument évidentes. Il y a une périodisation qui se fait presque spontanément. Autant les années 2000, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait une sorte de déficit de caractère, presque. Mmh. Et qu'on avait l'impression de ne pas en être sorti, d'être toujours dans la lancée de cette décennie, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'elle est close. Donc il y a une sorte de paradoxe qui entourait cette décennie, qui fait d'ailleurs qu'il y a eu, pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de tentative articulée en termes d'exposition, notamment, d'en faire le bilan, ou d'en tirer Je pense qu'il y a une biennale de Lyon de notre amie commune Stéphanie Moidon avec Ulrico Brist, elle me l'a rappelé, qui s'appelait... qui était aussi une décennie ou quelque chose comme ça, mais c'était pendant. Oui, tout à fait, c'était pendant. Et le principe, c'est un principe d'invitation de commissaire, en fait, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'étais dedans. Mais c'était la première. Enfin, je pense que c'était déjà. Début d'historisation, mais en plein milieu, quelque part. C'était en 2007 ou 2008. Oui. Donc, 2007, je crois. 2007. Mais. Donc c'est là où je voulais en venir. En fait, j'ai l'impression que cette décennie si difficile à cerner, il y a des raisons objectives certainement qu'il faut aller chercher du côté des circonstances historiques de tout ce qui a germé pendant cette période-là. Et je pense qu'une des raisons, c'est le fait que cette décennie ouvre sur un trauma, celui du 11 septembre 2001, bien entendu. Et que ça a créé une sorte d'effet de sidération. Et la question d'ailleurs de la sidération, c'est-à-dire l'impossibilité de voir, m'a apparu hier en revoyant l'exposition, d'ailleurs comme un des thèmes un peu cachés de l'exposition. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai que le fait d'avoir choisi ce point de vue et d'avoir organisé les œuvres d'une manière chronologique, moi, ça me faisait très peur au départ. Et en fait, ça marche beaucoup mieux que je ne pensais que ça allait marcher. Et ça nous fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues sans ce dispositif. Et effectivement, par exemple, la peinture, beaucoup de peinture qui est montrée est plutôt abstraite. Et il y a toujours quelque chose qui fait écran. Il y a l'idée d'une opacité, de quelque chose, de pas d'image, de formes qui sont soit très décomposées, enfin, à la fois décomposées, superposées, absentes, fantômes d'images. Donc c'est vrai qu'il y a un déficit, quasiment un déficit de représentation, mais qui donne lieu à des formes intéressantes, qui donne lieu à de l'inventivité picturale. C'est pas juste un espace négatif, en fait. On est quand même dans un espace de construction, mais de construction à partir du ne pas dire, enfin, ou de la difficulté à dire. De la délégation, en fait, du geste. On voit ça chez Wade Giton, par exemple, l'idée beaucoup du processus, ou chez Kelly Walker, la présence du numérique et de l'objet technique, j'aurais assez important. Est-ce que c'est, et moi, je peux aisément le rapporter à cette question de la sidération, c'est-à-dire pas voir directement. On emprunte une voie détournée pour voir les choses. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, on n'est plus dans la représentation, on est dans autre chose. Ouais. Je me rends compte que ça vaut pour moi-même aussi. C'est-à-dire que pendant les années 2000... J'ai rien vu. Non, j'ai un peu l'impression, j'ai rien vu à Hiroshima, c'est un peu ça. J'étais dedans, je faisais, j'avançais comme un petit soldat. Je trouve qu'il y a des textes théoriques, d'ailleurs, qui sont repris dans la frise au musée, qui nous transformaient nos manières de voir. Je pense à Donna Haraway, par exemple, qui est cité. Le manifeste cyborg, ouais. Cyborg, je pense, à Bruno Latour, à des choses que je lisais qui préfiguraient déjà un monde suivant, mais j'arrivais pas du tout à le traduire dans ce que ça pouvait être en art, dans les arts visuels ou contemporains. Et ce qui prédominait pour moi, en tout cas, je pense qu'on n'a pas forcément regardé les mêmes choses dans les années 2000, mais ce qui était prépondérant pour moi et qui est très présent dans la collection aussi, c'est un certain nombre d'artistes. Pour moi, il y a Mike Ely, il y a Franz West, qui sont deux exemples, mais Christopher Wool aussi, Albert Hollen, qui sont des artistes dont j'avais l'impression qu'ils écrivaient, ou non, décomposaient la narration moderne dans laquelle on avait vécu et qui vraiment,
finissait complètement cette histoire, mais se situait quand même dans cette tradition-là, mais en la décomposant complètement. Mais derrière cette décomposition, je ne voyais pas encore ce qui pourrait advenir. Dans les années 2000, j'étais focalisée sur cet espace-là, l'espace d'une déconstruction de la grande histoire de l'art moderne. Et je crois que c'est un aspect fondamental de l'exposition, parce qu'on le voit vraiment au fil des années, cette stratégie, ce que tu appelles décomposition du modernisme. Parfois, qu'on pourrait, c'est presque au-delà de décomposition, c'est presque un pourrissement du modernisme. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du... Ouais. Et Franz West en est un très bon exemple, effectivement. Oui, oui, Franz, ouais, c'est un peu harpe qui aurait moisi, bourgeonné. Mais ce que j'aimais dans ses œuvres, c'est qu'on n'était pas de nouveau que dans un espace négatif. À travers il y avait une émancipation, une libération aussi, d'arriver à se libérer de cette histoire tellement héroïque de l'art, dans une période où l'art n'avait plus de rôle héroïque. Je ne pense pas que dans les années 2000, l'art tenait un rôle héroïque comme il avait pu le tenir pour les avant-gardes, par exemple. Mais on voit, par exemple, il y a une remarquable pièce de Thomas Hirschhorn aussi dans l'exposition. Chez Thomas Hirschhorn, on voit aussi que cette stratégie du presque pourrissement ou décomposition du modernisme, je vois là, pour le coup, avec un vocabulaire formel très, très proche du moisi auquel tu fais allusion, se double aussi d'un activisme. Et aussi d'un archivisme, en fait. Et c'est ça qui est un autre thème des années 2000, pour moi, c'est l'apparition des archives, qui devient une autre forme de militantisme, une autre forme d'activisme, et une autre forme d'engagement, en tout cas, pour être plus précis. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est une partie à laquelle moi, je n'ai jamais réussi à adhérer à cette partie-là. On en parlait que la Documenta de Okuenzwar en 2002... Certes, il amenait de l'art de communautés ou de continents qu'on connaissait peu, mais sous une forme extrêmement documentaire. C'est-à-dire, ça passait par le film, par la photographie, par le comment tu dis, le compte rendu, pas le compte rendu. Tu as utilisé un mot qui était très juste. C'était avant la discussion. J'ai oublié. Non, pas l'archive. Comme la preuve, faire la preuve. Ah, la pièce à conviction. La pièce à conviction, voilà. C'est l'art comme pièce à conviction. L'art comme pièce à conviction. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à m'engager. J'ai trouvé ça une forme un peu trop littérale. On était face à l'image et on ne pouvait plus faire grand-chose, en fait. On n'avait plus, nous, en tant que spectateurs et en tant qu'acteurs de l'art, face à de telles images, on est un peu impuissant, on n'a plus rien à faire, on peut juste être témoin. C'est une pièce à conviction, on est témoin, alors que je pense qu'il y a un désir d'être acteur. Et cet aspect-là des années 2000, moi j'en suis restée très loin, en fait. Je ne me suis juste pas engagée dans cette histoire-là. Parce que là, on est... Ni la collection, ouais. D'ailleurs, il y a très peu d'œuvres comme ça. La seule œuvre qui reprend ce type de nomenclature, c'est une œuvre de Walid Rad. Et en fait, c'est une fiction. Donc, c'est pas un documentaire. Ça a la forme d'une œuvre documentaire et le contenu est fictionnel. La Documenta de 2002, donc, dont Okuenvesor était le commissaire, avait une autre particularité, c'est que si on mettait bout à bout toutes les vidéos, en fait, il aurait fallu passer 5 ou 6 jours en fait, dans la Documenta pour voir la totalité. Et on voit aussi émerger dans les années 2000, je pense également aux expositions d'Anne-Sylvie Chaubriste, par exemple, une sorte d'accumulation sauvage, là pour le coup on est peut-être dans le domaine de la pièce à conviction, d'une masse critique d'informations, masse formelle, qu'il est absolument impossible de circonscrire. Et ça c'est une forme qui apparaît, à mon sens, qui est assez emblématique des années 2000. C'est vrai, et moi j'ai un souvenir de cette période, j'avais presque peur d'aller voir une grande exposition, parce qu'on était confrontés à des choses dont on savait qu'on n'allait pas pouvoir les appréhender complètement. Et ça avait un côté très rébarbatif et difficile. Quelque part, ça n'a pas perduré. Je pense qu'après, on est revenu à des formats d'exposition différents où l'œuvre peut-être reprend plus de place. J'ai pas l'impression que c'est une piste qui a été tellement prolongée. Je pense que, et d'ailleurs le parcours de Okuenvesor est assez intéressant parce que lui-même s'est éloigné de ce type d'exposition pour revenir à des expositions plus monographiques et plus centrées autour d'œuvres plus traditionnelles. Mais sa dernière exposition, c'est Ella Natsui
Rose d'Erkoun, qui est une exposition somptueuse, enfin baroque et somptueuse, et en même temps très très lisible et très simple, parce que il n'y a pas une photo, il n'y a pas de documentaire, on est dans le langage formel de l'art complètement. Donc même les gens, et je pense que pour Hans Ulrich Obrist, c'est pareil, à la Serpentine maintenant, il fait plutôt des expositions monographiques très lisibles, et ce langage foisonnant, ça a été un moment peut-être symptomatique des années 2000, mais j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné. Il me semble aussi. Tu parlais de la pulsion documentaire qui animait cette Documenta de 2002. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, elle allait... il y avait deux choses peut-être. La première, c'est qu'on évitait complètement, là pour le coup, le vocabulaire moderniste. Ça, c'est sûr. Les artistes, la quasi-totalité des artistes de Documenta, avaient plutôt recours à des formats empruntés à l'actualité. En fait, moi, c'est ce que j'appelais le réalisme CNN, l'interview, le témoignage. On est complètement en dehors. On évite d'une certaine manière que la forme ait un sens par elle-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé des orientations que la collection Cranford a prises. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'on revient un petit peu à ça. Je pense qu'il y a une confiance, que la collection fait confiance à l'art. Muriel utilise souvent le mot de vocabulaire, que ce qui l'a intéressé quand elle a commencé à collectionner l'art contemporain, c'était un vocabulaire, un langage dans lequel s'engager, et qui l'a déplacé de sa zone de confort et qui l'a obligé à apprendre et à se déplacer. Et je pense que beaucoup d'œuvres de la collection utilisent le vocabulaire de la peinture, le vocabulaire même de la peinture, le vocabulaire même de la sculpture, parce qu'en fait il y a beaucoup de dialogues peinture-sculpture dans l'exposition, pour en tirer pleinement parti. Pas que formellement, la forme, elle est porteuse du sens. Christopher Wool, je connais particulièrement bien, et c'est un artiste dont on pourrait penser qu'il fait une abstraction extrêmement formelle, alors qu'en fait, c'est une abstraction extrêmement connectée. C'est-à-dire, Christopher Wool, il a vécu le New York de la fin des années 70-80, avec toute cette énergie punk, New York très sale, mais aussi avec une dynamique et une énergie très particulière. Et pour moi, son abstraction, elle rend compte de ça. Elle rend compte du monde dans lequel il est. Et la manière dont qu'il a choisi de s'effacer au départ comme peintre en utilisant des outils comme des rouleaux de tapissier ou des lettres stencil, pour ensuite utiliser la sérigraphie, c'est-à-dire de toujours se mettre à distance en tant qu'individu et de quelque part se... Parce que se nier lui-même, enfin dans un geste très punk, de dire que j'existe pas, ou je suis plus bas que terre, quand il prend des photographies, c'est toujours des flaques de pipi par terre, et des chiens qui errent, et des terrains vagues avec des graffitis, enfin ça c'est un peu son univers visuel. Et donc cette abstraction-là, elle parle plus de ça, maintenant ça paraît des grands objets du marché, mais au départ c'est un peu une abstraction au ras du sol, quoi. C'est une abstraction qui porte un sens. Et pour ça, je pense qu'il faut... C'est tout un apprentissage d'arriver à voir derrière une peinture abstraite le sens qu'elle peut porter, l'histoire qu'elle porte, où est-ce qu'elle s'enracine, où est-ce qu'elle est située. En fait, c'est ça. C'est où est-ce que l'abstraction est située. Une abstraction située, elle a une forme particulière. Toujours. Mais tu te rends compte, effectivement, que c'est... Il y a une critique de ça assez violente aujourd'hui, j'ai l'impression. Moi, je lis des textes dans lesquels on parle du sujet comme étant le plus important en fait aujourd'hui. Et cette sorte de dialectique entre le sujet et la forme me paraît assez cruciale en fait aujourd'hui. Il y a cet écrivain français qui s'appelait Roger Vaillant en fait, qui avait une très jolie phrase pour définir la relation entre le fond et la forme. Il disait le fond, c'est de la forme mal foutue. Ouais. Ouais. Mmh. Et ça résume assez bien en fait cette idée du vocabulaire formel comme. En fait, là, je voudrais intervenir 2 minutes sur le rôle qui est de travailler avec une collection. Quand on travaille avec une collection, on regarde. Moi, j'étais longtemps uniquement en commissaire. Maintenant, je travaille plutôt pour les collections privées. Donc, c'est des regards assez différents. Et on voit les choses autrement. On les voit depuis. Enfin, quand on est dans l'institution,
on pense à l'exposition, je sais pas, on pense à l'art comme exposition. Quand on est dans une collection, on pense à l'art comme un objet, déjà. D'abord, c'est toujours unique, parce que ça se passe en général, on achète œuvre par œuvre. Et on pense à la vie de cet objet dans un temps long. C'est-à-dire, c'est un engagement, et idéalement, quand on s'engage avec cet objet, on doit pouvoir s'engager pour cet objet, j'ai envie de dire pour toujours, même si c'est pas vrai, mais l'impulsion, elle ça, est celle-là. Ça a influencé ta vision de l'art aussi. Et alors, ça, très fort. Et j'ai pas cette impression, sujet-objet. Moi, aujourd'hui, c'est pas ça que je vois qui se passe, parce que, évidemment, je regarde des choses depuis une dynamique différente. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est énormément de formes qu'on ne regardait pas. Je pense, par exemple, ça va être long, mais c'est une anecdote. On est à New York avec Muriel et Freddy, on va voir le nouveau Whitney Museum qui réouvre. Et à l'étage supérieur de la collection, il montre de l'art américain des années 20 et 30. À l'époque, franchement, je vois rien là-dedans. Je vois rien, je vois des petites peintures figuratives, du réalisme social, que franchement, je m'étais prise un peu comme ça d'emblée. Quoi. Ça ne correspond pas aux formes que j'attends. Ça ne se conforme pas aux formes que j'attends des années 20 et 30, et je ne les regarde pas. Et puis, avec la collection, on commence à regarder une artiste qui s'appelle Alice Neal, qui est une femme artiste qui a commencé à travailler au milieu des années 30 jusque dans les années 80, qui s'est toute sa vie, qui a peint quasiment que des portraits, que de la peinture figurative, qui s'est engagée, qui a toujours été socialement et politiquement extrêmement engagée, mais aussi une peintre très inventive, avec une patte très particulière, une utilisation de la peinture non finie très particulière. Et elle m'a fait voir que dans les années 30 aux États-Unis, il y avait une peinture figurative socialement engagée, héritière des muralistes mexicains. L'Ashcan School. Oui, Jacob Lawrence, par exemple, qui a un artiste que maintenant je trouve absolument magnifique. Mais ça m'a pris 5 ans pour me déplacer et me dire, tiens, au fond, il n'y a pas que les avant-gardes qu'on connaît, il n'y a pas que l'abstraction, il y a aussi des formes qui ont existé dans les années 20 et 30, typiquement américaines, d'une qualité extraordinaire et qui étaient souvent portées soit par des Noirs, soit par des femmes ou des Hispaniques, des gens qui en fait étaient un peu en marge de l'art plus reconnu de l'époque. Ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que l'émergence de ces formes-là, la reconnaissance de ces formes-là, et dans l'institution, et dans le marché, c'est quand même un grand bouleversement qui n'est pas qu'une question de sujet. Je pense que c'est aussi une question de forme. Et aussi d'inscription dans un récit. Parce qu'effectivement, oui, tu ne voyais pas ces pièces-là parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans le récit qu'on a appris aussi de l'histoire de l'art des années 20. On s'attend à quelque chose. C'est pour ça que je trouve que les années 2000, au départ, quand l'idée est arrivée, j'avais l'impression que je n'avais rien à apprendre des années 2000. En regardant l'exposition et la frise, je me dis, mais c'est incroyable, tout ce sur quoi on travaille maintenant, c'était déjà là. Tout était là. Les textes théoriques, les expositions même qui traitent de certains sujets, les artistes, les institutions, les références, certain type de globalisation, de crise de la globalisation, les réseaux sociaux, enfin, si on énumère tous ceux au milieu de quoi, même la crise, une première crise épidémiologique, enfin, tout est là, et en germe. Et on est en train de travailler on pousse en fait sur ce terreau qui était là, mais qui à l'époque, ça a mis 10 ans pour se développer et donner lieu à un autre monde. On revient à l'idée de la sidération, en fait. Toi, tu parles de développement, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est comme une image qui se développe lentement, comme une image analogique, comme une photographie, en fait, analogique, qui se développe lentement dans les années 10 et qu'on voit aujourd'hui. Oui, en fait. Tout à fait. Et c'était un des éléments les plus jouissifs de cette exposition, c'était effectivement de repérer ce qui, dans l'actualité des années 2000, parlait, en fait, à 2020. Exactement comme tu viens de le dire, on voit ce qui germe, on voit ce qui en train de lentement croître, et je crois que c'est un des intérêts de l'exposition, c'est précisément de mettre en rapport des œuvres avec des faits aussi. Et toi qui as créé le Palais de Tokyo, qui est quand même un événement, une vraie transformation institutionnelle, j'ai l'impression que depuis il y a
pas vraiment eu de transformation institutionnelle depuis ce moment-là. Et enfin, à ce niveau-là, je suis curieuse de voir comment tu vois le passage temporel, quoi, entre le développement de cette institution et où en est l'institution d'art aujourd'hui. Bah, c'était intéressant de parler de Tuqueux dans la mesure où tout ce qu'on proposait, en fait, on s'entendait répondre, c'est pas possible. Ouvrir jusqu'à minuit, c'est pas possible. Etc. Et surtout créer l'innovation du Palais de Tokyo à l'époque, hein, je parlerai pas pour maintenant, c'était de créer un lieu qui soit précisément pas muséal. En fait, c'était de démuséaliser le lieu d'exposition. Et c'est vrai que c'était ça la principale nouveauté au début, au-delà des horaires et d'une programmation qui, pour la première fois aussi, parce que ça, on a tendance à l'oublier, incluait des artistes chinois, africains, américains du Sud, etc., qui n'étaient jamais montrés en fait à l'époque à Paris. Il faut se souvenir qu'en 2002, à janvier 2002, quand le Palais de Tokyo ouvre, il y a le Centre Pompidou, le Musée d'Art Moderne, la Fondation Cartier, le Jeu de Paume. C'est à quelques autres endroits un peu moins importants, mais la structure institutionnelle de Paris à ce moment-là, c'est ça. Et aucun de ces lieux, tous ces lieux en fait montraient essentiellement des artistes issus de ce grand récit dont tu parlais tout à l'heure. Il n'y avait pas de marge en fait. Et ce que qu'a fait le Palais de Tokyo, c'est introduire les marges à l'intérieur de ce dispositif muséal, qui aujourd'hui ne sont plus des marges d'ailleurs du tout. C'est ça. Mais justement, je regardais les grandes expositions. Il y avait Africa Remix. Et dans la frise, il y a quelque chose sur la Chine aussi. C'est quoi La Chine. Alors la Chine. Alors la Chine. Ouais. Alors, c'est une phrase de Roland Barthes, si je me souviens bien, en fait. Mais je trouve que ces deux titres en disent long. C'est-à-dire qu'à l'époque, on regarde l'art africain ou l'art chinois comme vraiment un truc exotique, très, très loin, et il n'y a pas de pont entre les formes. Il y a les formes des artistes africains, les formes des artistes chinois, et puis le reste, mais la communication n'existe pas. Alors qu'aujourd'hui, des formes qui viennent d'ailleurs questionnent beaucoup les choses qui se passent ici. C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus d'hégémonie. À l'époque, je trouve qu'il y a encore cette idée, un peu la société occidentale est un peu la matrice au-dessus, domine la situation. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Aujourd'hui, on relie toute notre histoire, en fait, à partir des formes différentes qui nous arrivent, et dont on se rend compte qu'en fait, elles sont aussi pertinentes que les nôtres, et qu'on est bien obligé de relire ce qu'on a fait jusqu'à présent à partir d'elles. C'est un peu. Enfin, ça, je trouve que c'est une sidération de cette décennie, qui accompagne aussi la crise écologique, le fait qu'on se rend compte que le monde est fini, que le monde est fini au sens de finitude, hein, pas terminé. Que le progrès, ben, c'est plus vraiment quelque chose avec lequel on peut penser, en tout cas dans les termes dans lesquels ils nous ont été proposés. Donc on doit tout relire, tout revoir. Et je trouve ça assez amusant que l'introduction de l'art africain, de l'art chinois, s'est faite de cette manière un peu gimmick, un peu spectaculaire, avec des expos, avec des images un peu pop comme ça sur les affiches. Encore un exotisme dont j'ai l'impression qu'on est complètement sorti aujourd'hui. Oui, ça, c'est sûr. C'est marrant parce que je pensais, on en revient en fait avec ce que tu viens de dire, à la décomposition du récit moderniste. C'est un peu une obsession personnelle. Oui, c'est fondamental. Tu as tout à fait raison d'y insister. Il faut se souvenir qu'en 1989, il y a eu l'exposition Les Magiciens de la Terre à Paris, qui, à l'époque, moi-même, j'étais assez critique vis-à-vis de cette complètement. Exposition. Je me trouve très choqué par cette exposition. Plus j'y repense, plus je pense que c'est une exposition importante, à beaucoup d'égards. Effectivement, on n'avait en fait pas cet effet d'exotisme, d'une certaine manière, parce qu'il était tellement évident et tellement fort, cet exotisme, qu'on a l'impression que le visiteur pouvait retirer de l'exposition était totalement différent de celui d'un visiteur de Africa Remix ou de Alors la Chine. Parce que là, s'est développé un vocabulaire qui est un vocabulaire de où en fait, ce qu'on demandait à un bon artiste non occidental, c'était d'apporter les codes de sa culture. En fait, c'est ça qui a changé, c'est parce que c'est plus forcément le cas aujourd'hui, en fait. D'une certaine manière, le vrai bug de l'an 2000,
Parce que les années 90, ça a été la décennie de l'ouverture des frontières et de la chute des murs. C'est la décennie pendant laquelle s'est développée cette globalisation qu'on va voir dans les années 2000. Donc on verra les effets véritables dans les années 2000, en fait. Le véritable bug de l'an 2000, pour moi, c'est c'est en fait la synchronisation des différentes horloges et l'évaporation ou la manière dont le récit moderniste, en fait, va se constituer non plus en fonction de la notion de progrès occidental, mais en fonction des codes des uns et des autres. Il y a une synchronisation qui se fait à ce moment-là. Et je pense qu'il y a aussi une idée qui est un peu l'usage de l'art. C'est-à-dire, forcément, dans le récit moderne, l'art est autonome. L'histoire de l'art, c'est une histoire d'autonomie. Je pense que Magicien de la Terre met déjà ça en question, en remettant l'art comme un outil utilisé pour des effets chamaniques, des effets magiques, des effets de témoignage, des effets d'enregistrement, des effets de sauvetage de monde, des effets rituels, etc. Absolument. L'idée, là, justement, elle est présente, et donc il n'y a pas d'exotisme, parce qu'on parlait quand même de l'art et des effets et des usages. Et des pratiques quotidiennes. Oui, et des pratiques. Mais ça, on a mis très longtemps avant d'accepter de sortir de cette idée de l'autonomie, en ayant un peu peur de perdre le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en se disant... Si on commence à quitter cette idée d'autonomie, mais alors l'art va se remettre au service de choses, il va perdre sa vitalité, il va perdre sa puissance critique. Et moi, c'est vraiment le livre de Descola, Nature contre la différence nature et culture, c'est pour moi un livre fondamental. Ouais. Avec la tour, nous n'avons jamais été modernes, qui était plus tôt, c'est-à-dire vraiment la critique de ce qu'on appelait la bifurcation de la nature, le moment où on a mis le projet rationnel de séparer d'un côté la nature et de l'autre côté ce qui est fait par les hommes. Donc ça, c'est vraiment le projet moderne, et la remise en cause de ça, en fait, c'est quelque chose de fondamental et qui a énormément de conséquences, mais j'ai mis 25 ans, moi, pour comprendre les conséquences de cette remise en question. Et je pense que l'expo Les Magiciens de la Terre l'avait déjà compris. Peut-être que la documenta dont on parlait de Burgel, qui est une documenta très bizarre, qu'on n'a pas non plus tellement bien comprise, je pense, qui nous a aussi un peu sidérés, parce que ça parlait un langage qu'on ne connaissait pas vraiment. Il y avait des tapis. Des masques, des chaises. Et je pense qu'eux avaient déjà un programme assez particulier. Je ne suis pas sûre non plus que je l'avais complètement saisi à l'époque, mais ça met du temps, une idée nouvelle, mais beaucoup de temps à être comprise et beaucoup de temps à voir ses conséquences, en fait. C'est ce qu'on peut dire. C'est long. Comme tu l'expliques, pour le palais de Tokyo, ça a été une bataille. Et on te dit, c'est pas possible, etc. C'est dès qu'on amène quelque chose de nouveau, c'est une lutte. Et là, c'est une lutte critique, c'est une lutte théorique, c'est une lutte esthétique et qui a commencé il y a 20 ans, ou il y a plus ou moins de temps même, peut-être. Il faut dire que pour ce qui concerne en fait ce qu'a apporté Magicien de la Terre et qui s'est révélé, là encore, beaucoup plus tard, il faut dire que le discours sur l'art en Occident, en fait, a été complètement imbibé par la pensée esthétique d'Adorno, par exemple, pour qui l'autonomie était la vertu majeure de la critique, et la base de toute politisation en fait de l'art. C'est ce système-là, à mon avis, qui s'est complètement renversé dans les années 2000. Je suis d'accord, tout à fait. Ces références incontournables, qui étaient l'école de Francfort, qui a complètement dominé la pensée critique de l'art contemporain, en tout cas aux États-Unis, en Allemagne et un peu en France, je pense que cette critique est arrivée complètement à son épuisement. Elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait être. Et je pense que dans la collection, enfin, donc les artistes... La passion pour ces artistes tels que Franz West et Michael Kreber et Albert Hollon, elle est complètement authentique et elle persiste. Par contre, je pense qu'à un moment, il n'a plus été possible pour la collection de s'investir dans ce qui aurait pu être pensé comme une suite de ça. C'est-à-dire, à un moment, je pense que la conclusion, elle est arrivée d'elle-même, que cette histoire-là, elle était racontée dans la collection. Et qu'aujourd'hui, pour vraiment continuer, on devait regarder ailleurs. Et c'est pour ça que, par exemple, collectionner des femmes de l'époque moderne, mais qui écrivaient déjà un autre récit
dans cette époque, revenir ou, comme Carole Rama, d'une autre histoire. D'une autre histoire, et étrangement, dans la maison, quand il y a une confrontation entre une abstraction de Christopher Wool et un portrait d'Alice Neal, en fait, ça fonctionne très bien, parce que je pense qu'on ne doit pas forcément dresser ces styles esthétiques les uns contre les autres, mais on peut imaginer qu'ils se nourrissent l'un de l'autre, et comme on ne s'attend pas forcément à les voir ensemble, ça fait réfléchir. Et je veux dire, voir ce portrait à côté de cette abstraction, peut-être ça aide à voir que les deux sont situés, que les deux ont un contexte, que les deux parlent de quelque chose, et qu'il y a un formalisme chez Alice Neal qu'on ne regarde peut-être pas, et il y a un contenu chez Christopher Wool qu'on ne regarde peut-être pas. Donc ça, c'est un jeu, disons, de la collection, dans lequel on trouve quand même du sens et une profondeur aussi, maintenant. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un moment de réécriture. Et que c'est réécriture-là qui prime et éventuellement sur tout le reste. Non, parce que je pense qu'il y a aussi des gens jeunes qui font complètement partie. Enfin, je ne pense pas qu'il n'y a que de la relecture. Il y a beaucoup de relecture ou de réécriture chez les artistes eux-mêmes. Oui. Je pense qu'on est quand même dans un moment de changement de paradigme qui se fait collectivement, qui se fait ensemble, en fait, et dans les conversations. Ça influe, en fait, votre. Le destin de la collection en ce moment, je ne veux pas trahir des secrets. Oui, je pense que c'est une conversation de fond qu'on a vraiment eue. Je me souviens qu'on a été voir les rétrospectives de Carole Rama, par exemple, et c'est quelque chose qui vraiment interroge, parce que c'est une femme qui prend une position à partir des années 30, excentrique, mais elle regarde tout ce qui se passe dans l'art, jusqu'au minimalisme, jusqu'à toutes les grandes figures de l'art italien. Et elle prend toujours une position excentrique par rapport à ça, et tout d'un coup, elle nous fait voir autre chose. Mais on a mis des décennies à pouvoir le regarder, et c'est passionnant, parce que l'idée, c'est toujours d'apprendre. Ben, c'est vrai que c'est avec ce type de figure, peut-être, qu'on apprend aujourd'hui à regarder autrement et à se positionner autrement. Mais pour moi, sans nécessité de tout jeter aux orties ce qui s'est passé avant. Oui, parce que ça peut être l'excès inverse. Oui, je crois que c'est une erreur de dire, par exemple, bah oui, tous ces grands artistes masculins, toute cette des années 80, 90, de les réduire à une caricature de ça, ce serait une erreur. Je pense que des artistes comme Christopher Wool et Albert Rollin, en se mettant eux-mêmes tellement en retrait et tellement dans l'idée qu'ils ne font pas bien, qu'ils font mal, qu'ils ratent, qu'ils doutent, etc., questionnent aussi la masculinité, par exemple, et que ça peut tout à fait être lu autrement que comme une caricature d'artistes occidentaux dominants. Parce que l'excès ou la caricature de cette position que tu évoques, ça peut être aussi autre terme que tu as employé, une sorte d'excentricité systématique, c'est-à-dire rechercher systématiquement l'outsider ou ce qui est justement totalement dans les marges. Oui, alors je trouve que ça devient un paternalisme aussi. Ça devient une autre forme de paternalisme aussi très problématique. Je pense que le meilleur hommage qu'on peut rendre aux formes, c'est de passer du temps avec elles et essayer d'en déduire, enfin d'en tirer tous les potentiels. C'était la Biennale de Venise de 2013, il me semble, celle de Massimiliano Gioni. Qui était complètement dans cette idée de l'artiste outsider. Mais ça, c'était le outsider, c'était un peu une pathologisation de l'art, c'est-à-dire l'artiste comme personne, enfin comme folie. La folie, je n'ai rien contre cette idée que la folie est porteuse de créativité, mais là, on était un peu dans une caricature de ça. Et pour moi, il y avait une manière de disempower l'art aussi. Je trouve que ça et le projet de Caroline Christophe Bargachev à la Documenta, ces deux projets qui, en fait, étaient, pour moi, ne faisaient pas confiance à l'art. C'est-à-dire comme si l'art, en fait, ne pouvait rien faire. Comme si l'art. Devait être tendu, sous-tendu par un sous-texte ou oui. Aussi. Oui, ou alors être fait par quelqu'un, par des gens qui, quelque part, ils sont extérieurs. Ou, je ne sais pas si c'est nécessaire d'être autant dans le. Dans la déconstruction de son propre outil ou des langages avec lesquels on travaille. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus un devoir d'essayer de voir comment on peut donner de la pertinence aux formes, mais aussi aux formes qu'on a aimées et qui sont peut-être menacées parfois d'obsolescence. Mais ça vaut quand même la peine d'y retourner et de se dire, bah non, peut-être elles ont quand même encore quelque chose à dire.